mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, je regrette. Je veux que ma mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours. Ah! Oh! Ok. Cool. Allez, descends ta grand-mère, toi. Ouais, t'as pas honte, toi, de voler des voitures, t'as le chien. T'as pas honte? Oh, ta mère a t'allumé comme. Tu crois que ta mère, elle serait fière? Narbalou. Oh, tu veux quoi? Mais tu crois que ta mère, elle serait fière de toi? Tu veux quoi? Excuse-moi. Non, mais tranquille. Non, y'a rien. Vas-y, roule. Allez, roule. Allez, roule. Allez, roule. Roule, ta grand-mère, roule. Casse les couilles. Ça va, hey, si... Et respecte, et respecte la vitesse de limitation là. Ouais, excuse-moi, non mais sinon. Casse les couilles. Non, sérieux, t'es trop moche là. Tu dégoûtes. T'étais où, bâtard? C'est toi qui étais où, le sang? Mais c'est toi qui étais où, sale bâtard? Viens, on va acheter un masque, on discute dans la voiture. Attends, j'attends un mec là. T'attends qui? J'attends un gros fils de pute. J'ai des comptes à régler. Tu te rappelles que ça alors? Tu te rappelles de Purple? Ouais, avec la voix de canard. Ouais. T'as vu, je vais donner rendez-vous là. Il a fait quoi? Je lui ai donné rendez-vous, frère. T'as vu, je lui ai dit ouais, viens, on se capte comme au bon vieux temps et tout. Il croit que je sais pas que il est parti avec ma femme et mes gosses, ce fils de pute là. Avec Mila? Ouais. Pas bon. Non, vraiment pas bon. Je vais l'enculer. C'est bon ou pas? Ouais. Ah, c'est bon. Ouais. Vas-y, venez, on va vous acheter des masques parce que vous dégoûtez là. Descends ta grand-mère. J'ai pas de masque là? Si, mais t'as une tête. T'sais, t'es moche genre. Ouais. T'es pas mims. Moi, tu me vois beau gosse là? Ouais. Non. Moi, t'es mignon. Moi, t'es trop moche. Voilà la conduite. Agressif. Alors Purple, ça va? Ouais, ça va toi, Yannis? Ouais, ça va. Putain. Ouais, ça fait un bail hein. T'es, on aurait dû se capter hein. Ben ouais, pourquoi on s'est pas capté, Purple? J'ai géré un business à Punta Cana et tout, hein. À Punta Cana? Ouais, je suis allé là-bas. Tout seul, sans contact et tout? Putain, t'es bien. Si, avec des tipeux un peu. Comment ça, des tipeux? C'est une très longue histoire. Vas-y, raconte. En gros, des tipeux. Ça fait un bail quand même. Ouais, Milan. Hein? Ouais. Ouais. Et c'est quoi elle? Ben justement, je sais pas. Tu sais pas toi non plus, Purple? Moi non plus, je sais pas. Parce que je sais pas, moi. Pink il m'a dit, ouais, apparemment, tu serais parti avec elle au Texas, élever mon gosse, Walid, tout ça. Donc, on a. C'est moi? Ouais, toi. Qui t'a dit ça? Pink. Il est complètement taré, lui. C'est vrai? Mais oui. Parce que tu sais, la dernière fois, quand on était au téléphone, là, avec le petit Saïd là, qui m'a appelé, tu vois, tu te rappelles, tu m'avais dit, ouais. J'ai baisé ta femme et tout. Hein? Ouais. T'es taré et tout, je t'ai jamais dit ça. Si, tu m'avais dit ça parce que tu croyais qu'on allait jamais se revoir, du coup tu m'avais dit ça. Mais je savais très bien qu'on allait se revoir, t'es un ouf. Non. Attends, oh. Ouais. Mais... Change pas de sujet. Ouais. Non, elle pas est dit où, ça, hein. Très mon frère, ça me fait trop plaisir de te revoir. Miel est mon pote. Non. Ouais, c'est comme ça. T'as baisé Mila? Écoute, je vais te le jurer sur la tête de ma mère que ça aurait été le meilleur truc que j'aurais pu faire. Tu t'embranles de ta mère, je t'embranle de ta mère. Je te jure, je m'embranle pas de ma mère, t'es un malade mental. Je te connais, t'es le premier à dire que ta mère c'est une pute et tout. Mais c'est une pute. Mais c'est ma mère, c'est quand même la femme de ma vie, tu vois. Vas-y, ok. Vas-y, je t'écoute. Eh ben, sur la tête de ma mère, que si j'avais pu la baiser, merci, je l'aurais fait mille fois. Elle est trop bonne, Mila, mais tu le sais depuis longtemps, ça, même quand on était ensemble, elle était trop bonne. Ouais. Mais je l'ai pas baisé.
Non, alors, troisième gosse là. Je l'aurais appelé. Oh, je l'aurais appelé. Bobby Junior. Ça a dû faire Bobby Junior là. Tu me remets? Ouais, ouais, ouais. C'est toi le rêver? Si. Oh, ça va être simple. Ouais. Le Vagos qu'on a, soit il y en a un qui va mourir sur le Vagos. Donc c'est soit le petit là. Toi t'es qui? T'es le dieu de la mort. Ouais. Écoute. Ouais, soit le petit avec qui j'ai une altercation, tu me le ramènes, on le bute. Soit en plus le petit va mourir là-bas plus d'autres m'avoue. C'est toi qui choisis. Pas la responsabilité. T'es conscient que t'es en train de travailler avec des gens qui t'ont déjà balancé en fait. J'en ai rien à foutre. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, t'es pas très intelligent non plus. Voilà. Donc du coup, on fait comment? Bah on fait comment quoi? Si tu veux le tuer, le balas il meurt aussi. Ok, ça marche. Et après du coup, donc ça part en guerre et tes autres gars ils vont mourir aussi. Bah écoute, si c'est la guerre, c'est la guerre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux? C'est bon? On part sur ça du coup? Ouais, clairement, y'a pas de soucis. Ok. Non. Bonne soirée, messieurs. Allô? Réserve-moi ouais, le slot. Ah ouais, ça va? Tu parlais de moi, connard? Bah oui, je parlais de toi, mon frère. Ouais, mais moi un slot réservé, mon pote. Ouais, bah c'est bon, mais en fait, le truc, je crois que ça vient avec les permes. C'est-à-dire que tu auras le slot réservé, mais tu n'utilises pas les permes, tu vois. Enfin, tu utiliseras les permes quand le staff, ils vont dire t'as le droit. Ok, ça marche. Et vraiment, tu vois, parce que je sais qu'ils vont bientôt te le dire, tu vois, ils vont te le dire bientôt, si tu fais pas de la merde, tu peux, t'as vu, mais genre. Fais-moi confiance, Elias, mon frère. Non, mais vraiment, je te le dis, Thomas, genre, en fait, si tu les utilises alors qu'on te dit pas oui, ils vont te les enlever, tu vois. Non, frérot. Oh. Oh. Mon frère. Mon frère, c'est entre toi et toi, Thomas, hein, si tu les mon utilises. Mon frère alors... Elias, mon frère, ça fait combien de temps qu'on se connaît, Elias? Je te dis, c'est entre toi et toi, Thomas. Dis-moi enfin, juste, ça fait combien de temps que se connaît toi et moi et mon frère, Elias? 4 ans. Ça va faire 4 ans. C'est grâce à qui que t'as mis le nez dehors pour la première fois de ta vie, Elias? Ouais, c'est grâce à toi. C'est grâce à qui? Voilà. Je te laisserai pas dans la merde, mon pote. On est ensemble, frérot. Ouais, bon, c'est bon? Bon, vas-y, frérot, fais attention. Ouais, il est en train de full kick déjà. Ouais,